cet instant de t'accueillir avec nous alors que tu es devant ton écran. Le Saint-Esprit est en train de se faire une place chez toi. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit va te parler? Il est là maintenant pour connecter avec toi. Le Saint-Esprit est là. Et nous pouvons encore aujourd'hui lui demander encore plus de son esprit. Et nous avons besoin, nous avons tellement besoin de son esprit. Nous voulons dire en tant que famille d'église, en tant que communauté, Esprit Saint, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu, remplis l'atmosphère. Inonde ce lieu et remplis nos vies. Nous avons tant besoin de toi, Esprit du Dieu vivant.
soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté. C'est notre prière. Bien plus que des chants, bien plus que qu'un rassemblement. Nous t'ouvrons nos vies, Seigneur, et nous reconnaissons notre besoin de toi, notre besoin de ton esprit. Dans ton amour et ton affection, rien
n'est comparable. Alors nous disons, Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur cherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi. Te connaître, oh.
en moi soupire, tout en moi languit après toi. Est-ce que vous croyez que lorsque quelqu'un comme toi dit à Dieu, je suis captivé par ton amour, est-ce que vous croyez que Dieu, du coup, n'a pas envie de te dire quelque chose? Quand on commence une conversation avec quelqu'un en disant, je suis captivé par toi, je peux vous dire que l'autre a envie de vous parler. Alors tu dis à ton voisin, ta voisine, et toi qui es devant ton écran, Dieu va te dire quelque chose aujourd'hui. Si tu es vraiment sincère, lorsque tu dis, je désire être guidé par toi, je désire être dirigé par toi. Alors Dieu se révèle, il se laisse trouver par celui ou par celle qui le cherche. Amen. D'ailleurs, profites-en pour dire à ton voisin, j'aime Dieu. Ça tu peux le dire, c'est sérieux. Et après tu rajoutes, donc je t'aime. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Waouh, pareil toi qui es en direct. Dieu t'aime, alors je t'aime. Et ça, c'est formidable. Ouh ! Il y a une question qui est sur mon cœur. C'est une question parce que j'ai eu en entretien, il y a quelque temps, un couple formidable. Je crois qu'ils sont là en plus aujourd'hui. Donc, ils m'ont permis de vivre quelque chose et je voudrais partager un secret que j'ai trouvé. Si vous voulez quelque chose qui a été une révélation pour moi et qui, je pense, a été une révélation pour eux, je voudrais vous le communiquer en cet instant. On a tous une question. Notre question, c'est quelle est la mission que Dieu veut qu'on accomplisse sur la terre? Quelle est la mission que Dieu veut qu'on accomplisse? Où est-ce qu'il veut que j'aille? Dans quelle ville veut-il que j'habite, que je le serve? Est-ce que je dois faire ce type d'études? Est-ce que je dois déménager? Est-ce que je dois changer? Dans quelle église je peux me nourrir? Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Quand? Comment? Et toute cette question, finalement, c'est très simple, c'est si seulement j'arrive à comprendre la mission que Dieu m'a confiée sur la terre, alors je vais pouvoir faire quelque chose d'efficace de ma vie. Vous êtes d'accord avec ça? Vous avez envie que votre vie serve à quelque chose? Moi aussi. Et c'est comme si Dieu t'envoie une mission. Mais fais gaffe, ça va vite. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Merci Maestro. Et ce qui est super stressant, c'est qu'il est dans la cabine téléphonique et le message s'auto-détruira au bout de 10 secondes. Tu as du genre, t'es stressé parce que tu te dis, mince, j'ai pas compris, c'est le... Dieu, refais-le. Pas toi, Dieu. Dieu, refais-le parce que j'ai pas eu le temps de comprendre vraiment ce que tu voulais de moi sur la terre. Qui sait ce que Dieu veut de lui sur la terre? D'accord, personne n'a levé la main, c'est ce que je craignais. Deux ou trois pour juste faire semblant et tout, parce qu'il y a les enfants qui regardaient, donc papa s'est senti obligé, il a levé la main, mais il n'a aucune idée. Il n'a aucune idée. En fait, la plupart d'entre nous, on galère en toute honnêteté avec cette question. Qu'est-ce que Dieu veut que l'on fasse? Quelle est la mission? Et du coup,
Je vais être orgueilleux, mais je vais oser aborder un thème qui, je pense, va te faire énormément de bien. Et c'est pour ça que, à toi qui regardes ce message en cet instant, c'est destiné. Le titre, c'est « Comment découvrir ma mission sur la terre ?» Comment découvrir ta mission sur la terre ? Est-ce que vous croyez que ce message peut changer votre vie ou pas ? Il en sera fait selon votre foi. Je vais même être complètement fou. Je vais mettre un chrono et on va mettre 10 minutes. Et dans 10 minutes, vous allez voir beaucoup plus clairement, ben là, même plus que 9,53 là, hein, 9,50 secondes. Dans 9 minutes et 50 secondes, tu auras une vision beaucoup plus claire de ce que Dieu attend de toi sur cette terre. Vous êtes d'accord ? Dis à ton voisin, décroche pas pendant 10 minutes, parce que là, ça, c'est, là il faut tenir. Là, je vais dire, là, tu te débrouilles, tu dors pas, tu prends un café s'il faut. Toi qui es en ligne, tu restes concentré. Dans 10 minutes, même pas, hein, ça fait même 9 minutes 20 maintenant. Alors, la première chose, c'est qu'on fait tous la même recherche. Grand 1, c'est de recherche. La recherche que l'on fait tous, c'est quel est le projet de Dieu pour moi ? Quel est le projet de Dieu pour moi ? Est-ce que tu sais tout d'abord que Dieu a besoin de toi ? En fait, toi, tu viens en disant « Dieu, qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ?» Tu ne comprends pas que c'est l'inverse, en fait. C'est Dieu qui dit « Je cherche une femme, je cherche un homme qui est prêt à m'aider à faire quelque chose. » En fait, Ganta, tu es le projet de Dieu. Il y a quelque chose là qui vient sur toi et Dieu cherche. Et il essaie de connecter avec toi pour dire « Est-ce que tu veux m'aider ? Est-ce que tu veux m'aider ? Est-ce que tu veux m'aider ? Est-ce que tu veux m'aider ?» Moi, je dis « Oui. » Voici ce qu'il est écrit. En réalité, Éphésiens 2:10. Est-ce qu'on peut le lire ensemble ? Si vous connaissez ce verset, ça fait du bien de le dire ensemble. On va le lire, ça s'affiche sur votre écran. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Pourquoi ? Pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a un projet. Il a des œuvres et c'est pour tout le monde. C'est lui qui t'a fait. Depuis que tu étais dans le ventre de ta maman, il t'a tissé, il t'a organisé. Tous les jours de ta vie étaient calculés et Dieu savait ce qu'il allait en faire. Alors reste accroché. On va partir sur un personnage parce que moi j'aime bien comprendre ce que des hommes et des femmes ont vécu dans la Bible et je vais prendre l'histoire de Paul. Aujourd'hui, on pense que c'est un héros, qu'il a écrit presque un tiers du Nouveau Testament, l'apôtre Paul. Mais il a eu les mêmes galères que toi et moi pour comprendre quelle était sa mission sur la terre. Alors, on va faire le voyage avec lui. Est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé au tout début de la vie de Paul ? Il se convertit, il dit « Dieu, j'ai envie de te servir », etc. Déjà, il est mis au placard. Pendant quelques années, alors qu'il est tout feu, tout flamme, il a rencontré Dieu, il est zélé, il est motivé, comme toi après ton baptême, pouf, placard. Il part en Arabie se cacher parce qu'il est persécuté et personne ne peut assumer d'être avec Paul parce que sinon il y a un risque de mort. Donc il est caché. Il va vivre caché. Vous savez que Dieu permet que des fois, alors qu'on est ultra motivé, notre vie est cachée. Elle est mise sur pause, tu vois. À peine le film, il avait commencé que Dieu met pause. Tu dis, c'est quoi l'objectif, Dieu ? Et ensuite, enfin, il y a un certain Barnabas qui va le chercher, qui le sort de son trou et qui lui dit, Paul, c'est avec toi. Et le Saint-Esprit va le confirmer à l'église d'Antioche. Mettez-moi à part Paul et Barnabas, Barnabas et Paul. Et en fait, le leader, c'est Barnabas. Et le suiveur, c'est Paul. Vous savez, la première partie, en fait, le premier voyage, en tout cas, que l'on voit dans acte 13, acte 14 et acte 15, Paul, il ne fait que suivre la mission de Barnabas. Il y a des temps dans notre vie où on est mis au placard, ce que je vous ai dit. Il y a des temps dans notre vie où notre mission, c'est d'aider les autres à accomplir la leur. S'il y a un ado qui regarde ce message, il y a un moment où ta mission, en fait, elle dépend largement de ce qui se passe dans ta famille, de tes parents, de comment tes études. Il y a un moment où tu subis presque. Enfin, tu subis pas, mais si, un peu. Tu suis. Tu suis la mission de quelqu'un. Et l'apôtre Paul, il est là pour que Barnabas, quand Barnabas dit. Alors, en fait, la Turquie, vous voyez, la Turquie, c'est un beau pays, c'est un grand pays. Barnabas a eu comme idée d'aller évangéliser tout ce pays qui est la Turquie. Alors ils partent d'Antioche et ils commencent à visiter les unes après les autres les villes au milieu de la Turquie. La zone qu'on appelle aujourd'hui la Cappadoce, magnifique zone de Turquie. Et Paul suit et il fait le job.
Sauf que, à la fin du chapitre 15, il se passe quelque chose qui arrive toujours, même chez les chrétiens, c'est des embrouilles. Est-ce qu'il y a des chrétiens dans la salle ? Est-ce que vous savez ce que c'est que des embrouilles ? Vous servez Dieu, peut-être dans ta famille, tout le monde est chrétien, il y a autant d'embrouilles qu'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas notre gloire, mais la vérité, c'est qu'on est toujours des êtres humains, on a beau avoir été sauvés, transformés, sanctifiés, on fait encore des embrouilles. Surtout quand c'est des histoires familiales. Et du coup, Paul se prend la tête avec Barnabas au sujet d'un cousin. Et à ce moment-là, Paul dit « Je ne vais plus te suivre, Barnabas. Tu vas partir avec ton cousin, là, et moi, je vais partir de mon côté. » Et à partir de ce moment-là, c'est le deuxième voyage missionnaire de Paul. C'est à la fin du livre, du chapitre 15 du livre des Actes. Et Paul part, cette fois-ci, en numéro un. Il part en leader. Mais comme tout leader, il a besoin d'avoir une équipe avec lui. Et là, il va prendre un certain Silas. Paul et Silas. Paul, de son côté, choisit Silas et il partit avec lui. Au verset 3 du chapitre 16, Paul désira aussi prendre Timothée avec lui. Dans toutes les villes où il passait, il communiquait aux frères les décisions des apôtres, prises par les apôtres, et les responsables de l'église de Jérusalem, en leur demandant de s'y conformer. Les églises s'affermissaient dans la foi et voyaient augmenter chaque jour le nombre de leurs membres. Donc là, en fait, au début de ce second voyage, de ce deuxième temps de la vie de Paul, on va dire qu'il est sur la lancée de ce qu'il a fait avant. Ah, note ça. Tu n'as pas une mission sur terre. Tu as des missions sur terre. Et il y a des séquences. Il peut y avoir une séquence placard, personne ne l'aime. Il peut y avoir une séquence où tu fais la mission de quelqu'un d'autre, c'est comme ça. Ça peut durer un an, ça peut durer 20 ans, ça peut durer le temps que le temps. Voilà. Troisième séquence, une séquence où tu es en charge, mais tu es sur ta lancée. Tu fais ce que tu sais faire et les consignes sont claires. Tu sais où tu vas. Je donne un exemple, quelqu'un qui dit « voilà, moi, mon cœur, c'est faire de la louange, etc. » Tu as fait de la louange dans telle église, puis dans telle autre église, et tu es sur ta lancée. Tu sais ce que tu fais faire. Tu aimes bien peut-être servir le café à l'accueil, tu as toujours fait ça pour Dieu, tu continues à le faire. Vous êtes toujours là ou pas? On a tous des petites choses que l'on sait et on roule. Dans ton travail, tu fais ce que tu sais bien faire, tu es une infirmière, tu fais des soins de qualité, tu connectes avec les gens, tu es aimé, tu es sur ta lancée. Et puis vient une nouvelle séquence, un nouveau moment où c'est moins clair en fait. Une fois que tu as fait tout ce que tu savais faire, tu arrives dans une zone où tu ne sais plus que faire. Grand B, lorsque j'ai du mal à connaître le projet de Dieu, il y a des séquences comme ça. Ça vous est déjà arrivé ? Est-ce que ça parle à quelqu'un ? Il y a quelqu'un qui, dans une période, se dit ben, « c'est exactement ma vie ». Là, aujourd'hui, je ne sais plus trop si je suis au bon endroit, en train de faire les bonnes œuvres que Dieu a prévues pour moi. Je suis un peu perdu. Et c'est pour toi que Dieu va révéler quelque chose. Regardez, il ne restait plus que 3 minutes, hein, c'est bon, tu dis à ton voisin, ça va venir là. Alors, ce que va faire Paul, c'est qu'il ne va pas bugger. Une fois qu'il a fait tout ce qu'on lui avait dit de faire et qu'il a visité toutes les églises, il n'a plus de programme, il n'a plus de mission claire de la part de Dieu. Il est dans le flou. Et il va quand même marcher. Juste un truc. Évite le côté monastère. Pardon, hein, s'il y a des amis du monastère, je vous bénis quand même. Mais honnêtement, si tu passes toute ta vie à écouter sans te mettre en mouvement, tu vas bugger. Et des fois, c'est difficile. Moi, je crois qu'on est le sel de la terre et la lumière du monde. Il faut y aller, il faut bosser. Hein. La moisson est là. Hein. Dieu cherche des ouvrières et des ouvriers. Il ne faut pas bugger. Et l'apôtre Paul, il se dit, « Ok, je ne sais plus trop où aller, bah, je vais y aller quand même. » Acte 16, verset 6. « Ils traversèrent, alors on met la carte de la Turquie, si c'est possible, ils traversèrent la Galatie phrygienne. La Galatie phrygienne parce que le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole de Dieu en Asie. Ils y vont et là, mais
Quand je vous dis que l'apôtre Paul ne savait pas où il allait, la preuve, c'est que le Saint-Esprit l'a bloqué. Du coup, verset d'après, parvenu près de la Mysie, il se proposait d'aller en Bithynie. Alors on va suivre la carte, il repart cette fois-ci nord-est. Mais là encore, l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Boum ! Deuxième mission qui tombe à l'eau. Dis à ton voisin, c'est normal que ça t'arrive aussi. Toi qui es devant ton écran, c'est normal, ça nous arrive tous. C'est arrivé à Paul, hein ? Donc faites pas les malins. Il n'y a pas plus grand que Paul ici dans la salle, ni que toi qui regardes ce message. Il y a des moments dans notre vie où on fait des projets pour Dieu et Dieu fait « Mais je dis non. » Ne bloque pas. Ne sois pas paralysé. Ok, c'est pas bon là ? Eh bien, je continue. Je continue à chercher. Et je vais chercher. Et je vais chercher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche ? Il reste 30 secondes. Dans 30 secondes, tu vas voir quelque chose de plus clair. Et là, Paul arrive au bout du voyage, et il est dans un cul-de-sac, dans une impasse. Cette impasse, c'est le bout de la Turquie, l'extrémité, dans la ville de Troas. Il vient de faire plus de 800 kilomètres et il arrive dans une impasse. Il se dit, Dieu, mais qu'est-ce que je fais là ? C'est quoi ta mission ? C'est quoi ton appel pour ma vie ? Pour ma vie. Je crois qu'il y a quelqu'un qui, récemment là, a fait cette prière. Et c'est pour toi qui a fait cette prière que je suis là aujourd'hui. C'est pour que tu aies... Alors, attends. Ça fait plaisir. Je crois que celui qui veut recevoir, il va recevoir. Ça va vous déstabiliser un peu. Vous êtes prêts à être déstabilisés ? Dieu ne va pas répondre à la question que tu lui as posée. Mais il va répondre, mais pas comme ça. Dieu ne répond pas à la question « Quel est mon appel ?» Enfin, moi, je n'ai jamais vu. Quoi ? Moi, jamais Dieu m'a dit dans quelle ville je vais le servir. En toute vérité, je n'ai... Pourquoi l'église, elle est ici ? J'ai regardé la carte. Non, vraiment. Tu sais, il y a des pasteurs qui me disent « Comment t'as reçu de Dieu qu'il fallait être là, dans le MLK Grand Paris, là, à Créteil ?» Je dis « Aucune idée. » Vous êtes toujours là, partez pas, hein, il y a un truc de Dieu quand même. J'ai pas reçu le truc. Je ne savais pas le où. Mais vous savez, le pire, c'est que je savais même pas le quoi. Je n'avais aucune idée de ça. Parce que Dieu ne répond pas à ce genre de questions. Et pourtant, j'ai essayé, hein, je lui ai mis la pression. J'ai dit, Seigneur, tu me dis où ? Tu as 30 secondes pour me dire où ? Où est-ce que je dois habiter ? Où est-ce que je dois implanter ? Et au bout de 31, il dit, eh ben, tu vois, rien. Dieu ne répond pas à la question du quoi, parce que ce n'est pas la bonne question. On fait un décompte de 30 secondes. Vite, Seigneur, vite quand même, vite, vite. Il ne va pas répondre à la question du quoi. Qu'est-ce que Dieu veut te dire ? Pose la bonne question. Est-ce que quelqu'un a une idée de quelle est la question qu'il faut poser à Dieu ? Non, ce n'est pas qu'est-ce que non plus. Ce n'est pas comment. C'est même pas pourquoi. La vraie question, c'est qui veux-tu que je serve ? Non, non, mais c'est super important. Paul est tout seul à Troas. Il est dans sa chambre d'hôtel. Il est mal. Il n'y a peut-être pas de lumière, rien. Il est le soir en train de crier à Dieu et dit, Dieu, quelle est ma mission sur la terre ? Et Dieu ne lui répond pas quelle est sa mission. Il lui répond, je vais te donner une vision. Et cette vision, ce n'est pas un quoi, c'est un qui. Regardez ce qui est écrit. Là, Paul eut une vision au cours de la nuit. Un Macédonien se tenait devant lui et le suppliait. Et après, il dit, viens en Macédoine et secours-nous. Quand tu comprendras qu'au lieu d'arrêter de poser à Dieu une question qui te concerne toi, tu commences à poser à Dieu une question qui concerne les autres, alors tu vas rentrer dans les projets de Dieu. Je suis étonné que vous applaudissiez.
Parce qu'en général, on a plutôt tendance à entendre et à applaudir des messages qui nous parlent de nous-mêmes, de notre appel. Si je vous faisais une prédication sur les 7 étapes pour être plus efficace dans vos dons et dans vos talents, en général, c'est des prédications qui marchent, cela. Parce qu'on est tous égocentriques. Et on aime bien qu'on parle de nous-mêmes. Mais la vérité, c'est que Dieu ne répond très peu aux questions qui parlent de toi-même. Parce que Dieu cherche, non pas ton égoïsme, mais ton cœur. Et du coup, lorsque tu viens vers lui en disant, « Papa, qui veux-tu que je serve ?» Alors, à ce moment-là, un Macédonien, je connais ce Macédonien, jamais vu un Macédonien, moi. Vous savez que pour Paul, il n'avait jamais vu un Macédonien de sa vie non plus. Parce qu'il était là pour évangéliser des Turcs. Et la Macédoine, c'est de l'autre côté. Alors, il croyait qu'il était arrivé dans une impasse, mais en fait, la Macédoine, c'est côté grec, en fait. Il fallait juste traverser la mer, il y avait juste 20 km à faire. Mais c'était en dehors de sa boîte. C'est-à-dire qu'il était tout près du Macédonien, mais il ne le voyait pas. Jusqu'à ce que Dieu lui le révèle. Grand 2, la révélation. Donc la bonne question, c'est qui est le projet de Dieu pour toi? Alors je vais te parler, si tu veux bien, pendant quelques instants. Ça va être très court, de ton Macédonien ou de ta Macédonienne. Et parfois tu peux mettre des S, parce que c'est peut-être un groupe de personnes. Le Macédonien, c'est une personne qui, dans ta proximité, dans ton entourage, je ne suis pas en train de parler de quelqu'un qui est en mission super loin, au bout de la terre, à Madagascar ou au Turkménistan, là. Je suis en train de parler de quelqu'un dans ta sphère aujourd'hui. Sans que tu le saches, peut-être c'est un chef d'entreprise qui parle mal à tout le monde. C'est ton boss, là. Tu crois qu'il fait super sûr de lui. Mais sans que personne le voie. Hier soir, il était un verre de whisky à la main. Et il a osé faire cette prière à Dieu. Il a dit, « Dieu, si tu existes, montre-le-moi en prenant son whisky. » Et le lendemain, quand tu es allé au travail, dans son entreprise, tu l'as croisé dans le couloir. C'était ton Macédonien. Comment ça, je n'ai pas vu. En fait, ce que tu n'as pas compris, c'est que ta mission, c'est lui. Ton appel, ce jour-là, c'était lui. En fait, il a envoyé un SMS au ciel, un WhatsApp à l'ange là-haut. Et l'ange là-haut a dit, alerte, 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 là-bas, ici, dans le 94, tu mets ton département là, toi qui regardes. Il y a un homme qui cherche Dieu. Envoyez-lui un ambassadeur ou une ambassadrice. Et le GPS t'a localisé et il a dit, c'est, et il met ton prénom. Et tu mets ton prénom. Et c'est pour ça que tu es là. Et c'est comme ça que ça se passe. Vous savez, arrêtez de faire des grands schémas sur le plan de Dieu en 10 leçons. Le plan de Dieu, c'est une personne. C'est deux personnes. C'est un groupe. C'est un enfant malade. Le plan de Dieu, c'est cette mamie qui a Alzheimer et que... Et t'as l'impression que t'as pas la force de passer du temps avec elle. Et moi, je te dis qu'à chaque fois que tu lui amènes un petit café, c'est comme si tu le faisais à Jésus. C'est ça, ton Macédonienne. Ta Macédonienne, c'est ça. Elle a pas la tête d'une Macédonienne. Tu sais, quand tu descends de ton immeuble, là, t'as une dame, là, la concierge, là, qui te prend la tête sur les poubelles tout le temps. Tu dis, mais non, c'est pas une Macédonienne, c'est une Portugaise. C'est pareil, c'est une Macédonienne. C'est elle que Dieu veut que tu aimes. Tu es le sel de la terre pour elle. Et même si elle râle avec son chapelet, elle a dit, Dieu, montre-moi quelqu'un. Et Dieu n'a envoyé que toi, parce qu'il n'avait que toi sous la main. Mais tu es la lumière du monde. Quand vous comprenez ça, vous comprenez quelque chose d'incroyable. C'est difficile parce qu'on a du mal à voir. On a du mal à comprendre parce qu'on cherche des choses compliquées. On cherche des choses qui brillent. Mais la lumière, c'est toi.
Qu'est-ce que tu veux voir quelque chose qui brille ailleurs? Tu veux voir que, oui, quand j'aurai mes diplômes, lorsque je serai une grande chanteuse, lorsque j'aurai l'estrade, oublie ça. La lumière, c'est pas ça. Ça, c'est pas de la lumière, ça. Ça, c'est de l'éclairage. Tu es la lumière. Tu es la lumière. Moi, je voudrais juste que toi qui écoutes ce message, tu le comprennes. Lorsque tu as cette révélation-là, tout du coup, tu dis, mais faut que j'arrête de me dire que je ne sers à rien alors. Ben non, ben bien sûr que non. C'est pas le où qui compte. C'est pas le comment, c'est pas le quoi. C'est avec qui tu veux, pour qui tu veux travailler, avec qui tu veux travailler. Quelles sont ces personnes? Et des fois, on voit pas, on comprend pas. Nathalie, mon épouse, avant que je la rencontre, elle a été très troublée un jour. On va parler vrai, hein. On va parler vrai. Un jour, elle était très troublée parce qu'elle était... Ma femme était formidable. Quand elle était à Valence, elle était infirmière en cancérologie. Mes amis font un appel pour bosser là-dedans. Incroyable. Et ce qui arrive en cancérologie, c'est que les gens, ils meurent. Souvent, quand ils sont en stade terminal, elle a accompagné plein de malades dans leur dernier souffle. Et elle me dit, elle m'a raconté cette histoire, ça m'avait troublé parce qu'elle était troublée. Elle était troublée parce qu'un jour, elle a vu une catholique hyper fervente qui avait un cancer qui la dévorait. Et cette catholique hyper fervente ne demandait pas la guérison, elle demandait juste à Dieu un soulagement. Elle disait, Dieu, c'est tellement dur que je te demande une chose, je veux que tu me soulages. Que tu me soulages. Et du coup, elle a vu ma femme, qui était infirmière, et elle lui dit, madame, trouvez-moi les médicaments pour me soulager dans ma douleur. Et ça a mis ma femme en stress parce qu'elle avait du mal à savoir quel était le médicament qui allait soulager cette femme qui aime Dieu et qui s'apprêtait à aller à la rencontre de son Dieu. Et du coup, ma femme était avec elle, elle lui tenait la main, elle priait pour elle, mais presque, c'est comme si sa propre foi, la foi de ma femme, était touchée, attaquée. Parce qu'elle dit, mais Dieu, tu fais quoi pour la dame, là? Puis c'est après que j'ai compris. J'ai compris que de toutes les personnes qui étaient en train de mourir d'un cancer, ce jour-là, cette femme catholique fervente, pratiquante, avait fait cette prière à Dieu. Dieu, envoie-moi un soulagement. Est-ce que vous savez quelle était la réponse de Dieu? La réponse de Dieu, c'est Nathalie. Ce jour-là, la réponse de Dieu, c'est que Dieu avait envoyé ma femme avec toutes ses limites, avec toutes ses imperfections, mais avec son grand cœur. Et Dieu avait dit, pour cette catholique extraordinaire qui aime Dieu, je vais lui envoyer une femme qui est géniale, une célibataire de 22 ou 23 ans, qui est prête à tout pour que cette femme aille mieux et qui va prier avec elle. Et en fait, tu es la réponse de Dieu. Tu es. Et du coup, la mission, c'est une personne. Ça devient clair ou pas dans votre tête? Je vais vous quitter. Grand B, pour terminer. Une fois que tu as trouvé tes macédoniennes, ça peut être un groupe de personnes, ça peut être des enfants que tu conduis au sport, ça peut être un groupe de danse. Il y en a qui font des groupes de danse, je ne te demande pas de lever la main, mais peut-être des fois tu vas faire... Parle de Dieu, brille, sois resplendissant, sois resplendissante. Quand tu fais du foot, quand tu vas au travail, quand tu fais de la comptabilité, quand tu sers le café en bas dans l'église, sois resplendissant. On doit voir Jésus, dont tu es l'ambassadrice, dont tu es l'ambassadeur. Ta mission, c'est ton prochain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme moi-même. Il le dit, Jésus, quand les disciples lui disent, mais quel est le commandement que tu nous donnes? Et Jésus leur dit, je vous donne un commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Tu as trouvé ton Dieu? Trouve ton prochain. C'est tout. C'est pour ça que Jésus dit, si vous aviez la foi comme des enfants, si vous aviez la foi comme des enfants, vous bouleverserez des vies.
Votre vie aura de la saveur. Vous arrêterez de vous dire, est-ce que j'aurais dû partir missionnaire en Haïti? Dieu veut que tu brilles là où tu es et que tu trouves ton Macédonien et ta Macédonienne ici. Pourquoi Dieu va te confier des Macédoniens qui sont très loin si tu ne peux pas prendre soin des Macédoniens qui sont très près? Et moi, je rends grâce à Dieu parce que dans ma route, j'ai bénéficié de personnes qui sont venues nous aider. Et je voudrais rendre hommage, et je l'ai fait, mais je veux le redire parce que c'est sa dernière semaine à MLK. Il y a un couple qui est venu et qui a quitté la Bretagne. C'est François et Josiane. Et François s'occupait du bâtiment et Josiane, elle s'occupait énormément des gens. Et notamment, elle a bénéficié, elle a été une source de bénédiction pour deux enfants, les miens. Je ne sais pas pour les autres, mais les miens, elle les a bénis. Et Josiane allait les chercher à la fin de l'école. Et Josiane leur préparait un pain au chocolat. Et Josiane, lorsque c'était leur anniversaire, elle leur achetait un petit Lego. Et quand Ethan et Shaina parlaient de Josiane, ils ne parlaient pas de Madame Josiane. Ils l'ont appelée Mamie Josiane. Elle n'est pas mamie officiellement, mais elle a eu un titre là. Parce qu'un enfant sait reconnaître qui il considère comme méritant le titre de mamie. Et elle avait tellement aimé qu'ils avaient décidé de l'appeler Mamie Josiane. Et du coup, Mamie Josiane, avec François, ils repartent en Bretagne. C'était prévu, leur mission s'achève, leur temps à MLK s'achève. Ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire ici. Et du coup, en plus, c'était l'anniversaire de Josiane cette semaine. Donc, avec mon fils et ma fille, je les réunis, là, c'était mardi, et je leur dis, vous savez, c'est l'anniversaire de Mamie Josiane. Immédiatement, Shaina et Ethan se mettent en mode, il faut qu'on fasse un truc. Josiane dit, je lui fais un dessin. Shaina dit, pour Josiane, je fais un dessin. Mamie Josiane, je t'aime. Puis au bout, elle avait été tellement rapide au premier dessin qu'elle en a fait un deuxième, un troisième, vous connaissez les enfants. Donc elle a eu tout un collector de dessins, Mamie Josiane, je t'aime. Mais Ethan est un petit peu plus grand. Il dit, papa, il lui faut un truc qu'elle va pouvoir garder et amener avec elle. Puis il me dit, je pense que ça serait bien qu'on achète un parfum. Je dis, toi, t'es bon, parce que moi, j'ai du mal à trouver des cadeaux, mais ça, c'est une idée géniale. Tu sais, moi, je connais rien au parfum, tu vois. Moi, je connais le sang de Leclerc. Et j'ai vu qu'à Leclerc, il y a un magasin de parfum, c'est une heure pour soi. Désolé pour la pub, Sephora, si je dois citer d'autres pubs, c'est pareil. Mais bref, on est allé chercher un parfum. Et donc là, moi, je ne suis pas habitué à ça, moi, tu vois. Mais c'est super cher, vos parfums. Ah non, mais... Waouh, il n'y a pas que l'acier qui a augmenté avec le Covid. Hein. Et ça coûte une blinde, ça commence à 55 euros, 60, 70 euros et tout ça. Moi, je vois les prix, je dis, il y a Shaina, elle est beaucoup plus pragmatique. Elle dit, papa, on n'a qu'à prendre les échantillons. Je lui dis, t'es bien la fille de ton père, toi. Heureusement que Ethan, il ressemble à sa mère. Alors, il regarde les parfums et il ne regarde pas le prix, mon fils. Il voit un parfum qui est plus cher. Mais qui avait un grand cœur sur le parfum, je pense pas là. Cacharel, yes I am. Et il voit le Cacharel, yes I am, avec un grand cœur, le truc, ça commence par un prix, mais comme Josiane est capable d'écouter, il faut pas que je dise le prix. Et il y a Ethan, il voit le prix, et il dit, papa, j'ai combien dans ma tirelire? Je lui dis, à mon avis, t'as entre 40 et 50, tout cassé, mon gars. Il me dit, bon, bah, je mets tout. Dites pas, oh, vous pouvez le faire pareil, vous avez plus dans votre tirelire alors. Faites gaffe, après vous serez jugé la façon dont vous avez jugé les autres. Et puis là, je dis, waouh, waouh. Je dis, Ethan, tu vas nous en laisser un petit peu quand même, parce que sinon, on veut sûr, on va participer. Mais on a ramené le cœur, yes I am, le coffret yes I am, là, à Josiane. Et en fait, tu veux, ton appel et ta mission, elle ne peut pas être que dans ta tête, tu vois. Quand on aime, c'est concret. Alors, si quelqu'un me dit, mais comment je dois accomplir ma mission? Ben, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu as? Parce que, si vous n'allez pas trop aimer cette phrase, mais aimer, c'est donner. Je ne parle pas que d'argent. Mais aimer, c'est donner. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. En fait, aimer, c'est donner, c'est se donner. C'est-à-dire donner des choses que vous avez, c'est-à-dire du temps. Vous avez du temps ou pas? Oui, vous avez du temps sur la terre. Eh bien, donnez des moments de qualité. Rendez service à quelqu'un.
même s'ils ne le méritent pas. Allez sortir les poubelles. Allez chercher de l'essence. C'est des trucs bêtes en fait, mais ça fait du bien. Et chaque fois que tu le fais, allez donner un verre d'eau à quelqu'un au café. Ouais, mais c'est pas à Jésus, hein. Je l'ai donné à... C'est Jacqueline et Thérèse qui j'ai donné. Eh bien, c'était Jésus, t'as pas compris là ? Tu relis la parabole. Et voici que quand le Fils de l'homme viendra, il réunira tout le monde et il leur dira « Venez avec moi, vous tous qui avez fait la volonté de mon Père. » Et dire « Mais non, on t'a pas vu. » Et Jésus leur dira « À chaque fois que vous avez donné un verre d'eau au moindre des miens, c'est à moi que vous l'avez fait. J'étais en prison et vous m'avez fait du bien. J'avais faim et vous m'avez nourri. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Mais Jésus, on ne t'a pas reconnu. À chaque fois que vous l'avez fait, au moins, c'était à moi. Vous avez accompli la mission que Dieu avait prévue pour vous. » C'est aussi simple que ça. Et du coup, en fait, à la fin de ta vie, là, toi, tu es encore jeune, là, mais à la fin de ta vie, tu vas voir le ciel, tu vas voir le truc qui s'ouvre. Et on ne va pas te demander « Est-ce que tu as tout quitté à 18 ans pour partir missionnaire au Cambodge ?» Tant mieux si c'était ton appel. Mais on va te demander « Est-ce qu'à Corbeil-Essonne, est-ce qu'à Saint-Martin-en-Gouël, est-ce qu'à La Valette dans le Var, ou je ne sais pas où, en Marseille, ou aux Abîmes, ou à Fort-de-France, ou en banlieue de Kinshasa, ou de Pointe-Noire, ou de je ne sais pas, est-ce que tu as été le sel de la terre lorsque tu étais à Montréal dans ton petit F2. Voilà. La lumière du monde. Je vous quitte avec cette prière. Je ne vous demande pas de prier. Père, quel est mon appel ? Je te demande de prier. Père, qui est mon appel ? Moi, mon appel, c'est vous. Donc, c'est simple. Et quand j'ai compris que MLK, c'était des personnes, ben, après tout le reste, c'est de l'intendance qui suit. À partir du moment où Paul a compris ça, il a dit, on a compris, et c'est la fin du verset, c'est comme ça que se termine ce texte, il dit, à la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, car nous avions la certitude que Dieu lui-même nous y appelait à prêcher la bonne nouvelle. En fait, une fois que tu as le qui, tout le reste ça déroule, hein. Tout le reste ça déroule. Parce qu'après tu dis, mince, moi j'ai envie, je vois des adolescents, j'ai envie d'aider les adolescents, donc je vais faire des études pour être professeur au collège. Ton boulot c'est les enfants, tu vas faire un site. Ton boulot c'est, moi je suis pas à l'aise avec les gens, je parle pas bien en public, mais moi j'aime bien les choses bien faites, bien. Et ben tu vas faire de la logistique, tu vas faire du secrétariat, tu vas faire des choses où, mais à chaque fois tu vas mettre un petit mot dans tous les emails qui seront la signature de Jésus. Tu ne mettras pas seulement ton nom, mais tu marqueras des petites choses, des petites phrases bénissantes pour les gens, en disant « T'es une belle personne. » Là, on va se dire « Mais c'est qui cette secrétaire bizarre là qui envoie des mots d'amour à tout le monde ?» Parce que tu seras rentré dans l'appel de Dieu pour toi. Waouh ! On prie ensemble. Ferme les yeux. Toi qui es devant ton écran, on va fermer les yeux également. Ça devient clair l'image. Lorsque tu fermes les yeux, je te demande juste de dire simplement à Dieu, qui veux-tu que je serve ? Quelle est ma mission cette semaine ? La vie est faite de plein de petites missions. Je veux réussir ma mission, et vous ? Ta mission s'auto-détruira dans quelque temps, quoi qu'il en soit. Mais accomplis-la bien. Parce que tu es la lumière du monde. Et tu es la réponse à la prière de quelqu'un. Père, révèle-toi maintenant
en montrant en une image, une pensée, un mot, que l'on puisse juste cette semaine être attentif à notre prochain. Donne un éclaircissement maintenant, au moment où je suis en train de prier, du ou des Macédoniens, de la Macédonienne ou des Macédoniennes, quel que soit leur nom, que tu veux qu'on serve. Et qui sont en train de crier, secours-nous. Alors Père, tu as ici une armée qui se lève pour te servir. On entend ton appel. Et si tu cherches quelqu'un, ici à MLK et devant leur écran, tu as 30 000 personnes qui sont prêtes à être des lumières du monde. Alléluia. Alléluia. Vous croyez cela? Waouh. Je vais vous demander d'accueillir, si vous voulez bien, pour MLK+. Deux témoignages, des fois ça vaut tout un message. Je vais demander à Greta et à Catherine de venir, si vous voulez bien. Greta et Catherine, est-ce que vous voulez bien venir? Merci, merci, merci. Est-ce qu'on peut les accueillir? Waouh. Bienvenue, Greta. Merci, bonsoir. Alors, vous ne les connaissez peut-être pas, et je suis content de les avoir comme invités, parce qu'il y a des clichés qui peuvent tomber. Moi, j'aurais rêvé qu'à 15 ans, on m'ait dit cette prédication-là. Parce qu'à cette époque-là, j'étais en stress. Je disais, adieu, Dieu, dis-moi où, et tout ça. Je me mettais une pression de malade. J'avais tellement peur de passer à côté de ma vie. Alors, on va casser les clichés. On va parler de façon plus en plus transparente possible. Greta, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Présente-toi et puis après, on va voir Catherine. Ça marche. Ben, je suis psychologue en établissement scolaire auprès d'adolescents, de familles. J'aime ça. T'es où? T'es en région parisienne, oui, ici? Oui, en région parisienne, oui. D'accord. Est-ce que c'est des collèges, lycées? Les deux. Milieu difficile, milieu facile? Oui, milieu difficile. D'accord. Par exemple, dis-nous, c'est quoi tes galères ces temps-ci? Dernièrement encore, j'ai un élève qui a été poignardé. Donc, il a fallu mettre en place une cellule d'écoute. Écouter, accueillir la parole. Voilà. Tu te sens impuissante des fois? Beaucoup. Et justement, je me dis, ouais, c'est pas moi parfois. Heureusement, ouais. J'ai Dieu, ouais. Clairement. Alors, si toi qui es psychologue, tu as déjà l'impression de ne pas être toujours efficace, imagine tous ceux qui ont l'impression que leur métier n'a pas beaucoup de sens. Je l'imagine complètement. Vous avez tort. Dieu n'a pas fait d'erreur avec vous. Et je vais te dire ça parce que ce que je trouve le plus incroyable dans ton histoire, parce que psychologue, on peut dire, c'est quand même un métier qui a du sens, et pourtant, des fois, tu te sens vide. À l'église, tu as un service complètement différent. Oui. Explique-nous un petit peu. Eh ben, je suis responsable du service Point Finance et de la super team Point Finance. C'est-à-dire quoi, Point Finance? Ben, c'est là où vous venez donner vos dons, dîmes, offrandes à l'extérieur, en espèces, en carte bleue, en chèque, entre autres. Est-ce que tu as fait des maths dans ta vie? Est-ce que t'as fait Oui, j'ai fait des maths, mais pas de la compta. Au début, est-ce que tu t'es dit c'est un peu bizarre comme service? Moi, c'est sûr. Enfin, tout le monde m'y voyait, sauf moi. Non, je ne me sentais pas du tout, en tout cas, suffisamment armée ou en tout cas, ayant les compétences pour le faire. Ça, c'est pourquoi sûr. Pourquoi tu l'as fait alors? Vas-y, dis-nous la vérité. Parce qu'effectivement, je crois vraiment dans ce verset qui dit « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. » Waouh. Et puis parce que on a prié pour ça et finalement je me suis dit essayons de toutes les manières il y avait des besoins, allons-y. Et je pense que tu fais un excellent travail. Est-ce que vous savez, des fois il y a des services qu'on n'honore jamais. Je veux honorer tous ceux et celles qui font le ménage. Est-ce qu'on peut les applaudir? Est-ce qu'on peut applaudir les services comptabilité? Parce que tu fais un très beau travail. Ouais, mais je ne suis pas toute seule. Heureusement. Un très, très beau travail. Vous voyez, ça peut paraître paradoxal que quelqu'un qui a fait des études de psychologie soit en train de faire du service financier. Mais moi, je vais te dire pourquoi j'ai voulu que ça soit toi. Parce que je pense qu'il faut beaucoup de psychologie pour recevoir les chrétiens quand ils donnent. Parce qu'il y a tellement d'églises cheloues, louches, bizarres, tordues.
Et je pense que Greta, tu as une sensibilité et tu as une finesse, une humanité qui fait que, en plus de ton alignement avec le cœur de Dieu, eh bien, c'est très bien. Donc, en fait, sortez de votre boîte. Vous êtes en Turquie dans votre tête, mais ça peut être en Grèce. Ça peut être en Macédoine, juste à côté. Soyez prêts, soyez prêtes. Et ce que tu as fait là, c'était un vrai pas de la foi. Est-ce que tu peux nous raconter une histoire humaine ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose récemment ? Oui, tout récemment, hein, lors de l'inauguration, en fait. Alors, il y avait un service offrande pendant l'inauguration ? Non. Enfin, il y en avait un. Bon, alors, là, c'est moi qui vais demander pardon. Parce que tu parles d'inauguration, je vais te demander pardon. J'ai oublié. Vous vous rappelez combien vous avez donné à Dieu le jour de l'inauguration ? Moi, je peux vous dire, globalement, zéro. Parce que j'ai oublié de faire passer les offrandes, tu vois. Je veux dire, je suis le pasteur le plus bête de France. Normalement, quand quelqu'un, il inaugure un bâtiment, il fait passer 4 fois les dîmes, les offrandes. Il dit, au nom de Jésus, c'est aujourd'hui où tu donnes. Moi, j'ai complètement zappé. Donc, toi, tu étais au point finance, mais du coup, en gros, il n'y avait quasiment personne parce que je n'ai pas fait l'annonce. Mais comme disait Catherine, on est venu pour le donner et aimer. Donc, on est venu pour donner. Et bah, tant mieux, on a donné, on n'a rien reçu. Mais il y a quelqu'un qui est venu. Exactement. Alors, vas-y. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Anne de ML Kids, en l'occurrence, qui, pendant tout le confinement, a mis en place un programme à destination des familles et des enfants, en fait, donc tous les mercredis. Et il y a une petite fille qui suivait ces programmes très régulièrement. Et lors de l'inauguration... Alors, elle n'était pas de la région parisienne. A priori, elle est... non. D'accord. Et donc, du coup, voilà, elle est venue le jour de l'inauguration, sans doute avec sa famille. Et elle a remis à Anne une boîte qui est venue nous l'amener donc au point finance. Et en voyant, ben voilà, en voyant cette boîte qu'elle avait fabriquée de ses petites mains, ça se voit, enfin, c'est minutieux, c'est choupinou à souhait. Ben voilà, avec le verset suivant, donc rende à l'Éternel la gloire due à son nom, apportez-lui des offrandes et entrez dans ses parvis, le psaume 96:8. Enfin, juste en lisant cela et vraiment, enfin, toute ta prédication, enfin, j'étais vraiment scotchée. J'ai pas d'autres mots, parce qu'effectivement, si Anne n'avait pas choisi de regarder aux Macédoniens. Qu'étaient tous les enfants, voilà, ici et ailleurs, exactement, vous qui êtes devant votre écran. Et c'était mis finalement à la disposition de Dieu. Si elle n'avait pas fait ça, ben on n'aurait pas été au bénéfice de cette petite. Elle avait quel âge ? Elle avait une dizaine d'années, cette petite ? Peut-être 9 ans. D'accord. Ouais. Et elle est venue avec sa boîte. Il y avait quoi dans la boîte, du coup ? On entendait des cliquetis. Mais voilà, moi, je pensais que c'était voilà, des petites pièces. Et en fait, en ouvrant la boîte, c'est vraiment toute sa tirelire, en fait. Donc, on ne va pas donner le montant parce que c'est... Il y avait beaucoup plus que tu pensais, en fait. Il y avait des billets, quoi. Ça nous a vraiment émus. Et là, on a compris tout le message, en fait, qui est transmis, notamment dans ce qu'elle disait. Et vraiment, je crois que Dieu est vraiment un Dieu de relations, réellement. C'est vraiment... Enfin, ta prédication nous a encore enrichi. Vous voyez, en fait, le point finance est aussi spirituel que n'importe quel autre service. Ouais. Oui, et ça cache tous nos clichés. Quel que soit le service, je vois le service photo, le service vidéo, les services de nettoyage, les services de c'est extraordinaire. Le café, l'accueil, l'enfance. Merci Anne, merci à toutes les équipes d'enfance. Merci à tous ceux, je pense à ceux qui sont à la garderie. Franchement, c'est difficile, des bébés qui pleurent. Moi, je parle en tant qu'homme, tu vois. Je vois jamais un homme à la garderie au service, moi, je crois pas qu'il y en ait. Tu vois, les hommes, on est lâches. Mais comment je bénis tous ceux et surtout toutes celles qui... après leur longue semaine, viennent s'occuper des bébés. Puis ça, c'est le service de Dieu, quoi. Je crois qu'au ciel, on va avoir des surprises. On va avoir des surprises. Oui, parce qu'il s'agit de vie, en fait. C'est ça, il s'agit de vie. Catherine, tu es la directrice générale de MLK. Oui. Est-ce que, c'est une question assez large, c'est vrai, mais tu nous as rejoints il y a maintenant 2 ans et demi, c'est ça ? 2 ans ? Ça va vite, hein. Ouais, fin 2019, début 2020. C'est ça. Et vraiment mi-2020 à peu près. Voilà. Qu'est-ce qu'une femme comme toi qui était directrice des ressources humaines dans des grosses entreprises, qui vient du sud de la France, qu'est-ce que tu fais ici ? Alors en effet, c'est une question large. Hein. alors j'ai envie de dire, j'ai envie de commencer différemment là et de dire que le message que j'ai entendu aujourd'hui, j'aurais aimé l'entendre quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant. Voilà. Alors, je suis du Sud, effectivement. Je suis née dans une famille chrétienne. Et j'ai
suivi un parcours tout à fait normal, donc d'enfant de chrétien avec des parents vraiment ancrés en Dieu. Et puis quand j'ai grandi, j'ai trouvé que ça ne me correspondait plus. Je trouvais que le langage était souvent idéal, un peu comme à Disneyland, souvent très, très, très beau à entendre, mais pas toujours très vrai à voir ou très beau à voir. Donc il y avait de l'hypocrisie. Il y avait une forme d'hypocrisie, en tout cas avec mes yeux d'enfant et puis d'accord. Après de jeune fille. Oui, je trouvais que c'était pas en adéquation, il n'y avait pas de vérité derrière tout ça. Voilà. Et tu as quitté l'église pour ça ? Et j'ai quitté tout, à 17-18 ans à peu près. D'accord. Voilà, et puis je suis partie dans la vie qu'on appelle le monde. Voilà, j'ai suivi le parcours que j'avais envie de suivre aussi, parce qu'on vous dit aussi quand vous êtes enfant qu'il faut aller à l'église, qu'il faut vous baptiser ou faire baptiser, qu'il faut faire telle étude, qu'il faut avoir un bac C à l'époque. Hein. Et toi, t'en as dit j'en ai marre, je pars. J'ai dit j'en ai marre, voilà, j'ai dit je pars, je quitte tout ça et je ferai ce que je veux. Ouais. Voilà, j'ai fait ce que j'ai voulu, effectivement. Et donc, ce qu'il y a de paradoxal, c'est pour ça que je trouve que Dieu est un paradoxe aussi, c'est que. Toute petite, j'aimais pas les gens, mais pas du tout. Et mes parents étaient convoqués régulièrement parce que je trouvais les gens idiots. Voilà, idiot et méchant. Idiot et méchant. Ouais, t'étais dur, quoi. J'étais très dur, oui. J'étais très très dur. Et puis la vie m'a amené, ou Dieu, hein, plutôt, je crois, à être en permanence dans des postes où je devais être en interaction avec les gens, donc les supporter à longueur de journée. Oui, parce que directrice des ressources humaines, oui, t'en as vu quelques-uns. Oui, et puis d'autres postes aussi, hein, où j'étais toujours en interaction, et c'était plus fort que moi, il fallait que je les aide. Et en même temps, en les aidant, je les aimais. Voilà. Et ce qu'il y a d'amusant dans tout ça, c'est que j'ai rencontré des gens très bien, à tous les postes, hein, des postes importants, des postes moins importants, et j'ai rencontré aussi des gens très durs. Et je pense que pendant 30 ans, puisque j'ai eu 30 ans de vie séculière, pendant 30 ans, je crois que Dieu m'apprenait à aimer aussi les gens pas aimables, les gens qui étaient durs, qui m'en faisaient voir de toutes les couleurs. Voilà. Donc je crois que Dieu m'a préparée. Et puis un jour, un accident de la vie, un parmi tant d'autres, donc tout a explosé dans ma vie privée. Ma famille a explosé. Je me suis retrouvée seule avec mes enfants. Le travail a volé en éclats aussi avec le confinement. Et voilà, je me suis retrouvée il y a 3-4 ans seule face à moi-même. T'as perdu ton papa que t'aimais très fort. J'ai perdu mon père qui était vraiment ma référence. Voilà, j'ai perdu mon mari aussi qui m'a quittée et je me suis retrouvée face à Dieu et je lui ai dit qu'est-ce que je fais là maintenant. Je suis bien embêtée de vivre tout ça et j'ai vécu tout ça sans toi et j'ai vraiment ressenti qu'il me disait t'as fait plein de choses, t'as fait aussi des belles choses hein, et je crois pas qu'il m'ait reproché grand chose à part de l'avoir oublié. J'y avais pas posé de questions, hein, j'y avais pas demandé quand j'étais jeune où est-ce que je vais. Avec qui, etc. Surtout pour qui. Non, j'ai rien demandé. Moi, j'ai pas posé de question du tout, en fait. Ouais, hein. La question se posait même pas. Et donc. Et là, par contre, Dieu, il t'a dit quelque chose. Je crois que là, il m'a dit. Enfin, je crois qu'il m'a dit. J'ai pensé, j'ai ressenti. Je sais pas comment l'interpréter parce que Dieu me parle pas comme ça. En tout cas, pas à moi. Et c'était de dire, t'as aidé plein de gens dans ton parcours. Tu l'as fait toute seule avec tes forces. Tu t'es vidée de ta substantifique moelle. Et donc, aujourd'hui, est-ce que tu es prête à le faire pour moi? Wow. Donc j'ai dit oui, sans condition, vraiment sans condition. Pas le hasard, bien sûr, à la suite de ça, après avoir écouté plein de messages, m'être reconnectée à Dieu seule, en essayant d'apprendre qui était Dieu, de réapprendre qui était donc, Dieu. Donc t'as écouté EMCI. J'ai écouté EMCI, j'ai écouté Joyce Meyer, j'ai écouté Martorano, j'ai écouté tout le monde, je m'ai raccroché à tout. Et tout me parlait, là où j'avais trouvé... Je pense qu'il y en a beaucoup en ligne qui font comme toi, là. Oui. Il y en a beaucoup qui écoutent. Là où je trouvais ces discours, 20 ans, 30 ans plus tôt, has-been, hein, lourds, soporifiques. Là, je trouvais... tout me parlait, tous les styles me parlaient en fait, hein. T'avais faim de Dieu, connecter j'avais avec Dieu. J'avais faim de Dieu et je crois qu'il, c'était un appel. Voilà. C'était vraiment un appel, mais pas un appel de pour moi. C'était pas une destinée, c'était un appel de moi pour Dieu. Voilà. Et puis un jour, je suis tombée sur MLK et j'ai trouvé que c'était encore autre chose, sur un message à toi. Au début, tu n'avais pas prévu de venir travailler ici. Ah, pas du tout, pas du tout. Non, non. Puis alors travailler pour une église, c'était même pas. Concevable. Vas-y doucement, il y a quelques gens de l'église ici. Non, mais c'était pas concevable, c'est une réalité, je vais pas mentir. C'était pas dans ta boîte en fait. Non, c'était pas dans mes priorités, j'avais pas de plan. De toute façon, j'ai jamais eu de plan. Ouais. Donc c'était pas un plan mais de Dieu, plus. Mais Dieu en avait un. Dieu en avait un pour moi, ouais, je crois. Enfin pour moi, pour ceux que je devais aider. Voilà. Et puis il a placé David Falaise
un jour sur ma route, dans le cadre d'une formation. Et puis après, je t'ai rencontré après la mort de mon père. Et là, ça a été une bénédiction pour moi, en fait. J'ai compris que les autres étaient une bénédiction pour moi, avant d'être peut-être une bénédiction pour les gens. Voilà. Wow. Merci. Je te présente tes Macédoniens. Oui. T'as beaucoup de Macédoniens, là. Ouais. Et bienvenue, Catherine. Merci. Est-ce qu'on peut lui dire bienvenue ? Merci. Elle a tout quitté pour vous. Un grand merci. Un grand merci. Je vais vous libérer. Et je vous remercie, en fait, oubliez tous vos clichés, oubliez tout ce que vous savez. Des fois, la vie va vous faire prendre des virages que vous n'aviez jamais pensé. Vous avez fait une première mission, une deuxième mission. La troisième mission peut être complètement différente. Est-ce que tu es prête ? Non, vous n'êtes pas prêt. Il y en a qui se disent, Seigneur, j'ai un peu peur. C'est qui ? La prochaine mission est une personne, un groupe de personnes que Dieu a prévu. Que tu fasses ton maximum pour les aider. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ses prochains-là comme toi-même. Merci à chacune et à chacun qui, semaine après semaine, nous aider l'Église MLK, et je pense que vous en faites partie, pour que aussi cette mission, moi, ma mission, c'est que le message de la bonne nouvelle puisse être entendu au maximum et de façon le plus simple, le plus compréhensible. Merci pour tous vos dons financiers, parce que sans ça, finalement, il n'y aurait rien qui existerait. À vous toutes et à vous tous qui, chaque mois, avez décidé de dire « je veux être partenaire de l'Église MLK », vous nous permettez de faire cela. Est-ce que je peux juste, moi, vous applaudir ? Vous ne vous applaudissez pas parce que vous vous donnez, mais moi, je vous applaudis. Je vous dis merci à vous toutes, que vous soyez en ligne ou ici dans la salle, avez décidé de soutenir chaque mois. Votre don, bah, ça fait la différence, en fait. Parce que ça nous permet de fonctionner, ça c'est formidable. Et puis vous avez, pour vous qui êtes en salle, vous qui êtes en ligne, vous pouvez aller sur le site internet, mais vous qui êtes en salle, vous avez une petite feuille. Vous pouvez tourner cette petite feuille qui était sur votre chaise. Dedans, vous pouvez soit donner, mais vous pouvez aussi donner de votre temps en disant « je veux être équipière, je veux être équipier. Je voudrais qu'il y ait des hommes qui se lèvent pour Dieu. Je voudrais qu'il y ait des femmes qui se lèvent pour Dieu et qui disent « il y a quelque chose, il y a une saveur dans ma vie que je n'ai pas encore donnée. Et je veux prendre le risque. Je veux prendre le risque de faire quelque chose pour Dieu. Je vous donne rendez-vous samedi à 15h. Et on va ensemble former la nouvelle équipe de ceux qui servent à MLK. Samedi prochain à 15h. Si vous avez envie de servir Dieu, venez là. On va servir ensemble. Vous pouvez avoir des rendez-vous. Allez sur le site internet, vous cliquez le QR code et ça fonctionne. Vous avez une ligne de prière si vous avez besoin de prier. Quelqu'un qui est en train de dire « Seigneur, je veux vraiment avoir une révélation de mon Macédonien. Je veux savoir les personnes que je dois bénir, que je dois contacter. » Vous pouvez appeler la ligne de prière, ça s'affiche sur votre écran. En tout cas, un grand, grand merci à chacun d'entre vous. Et ceux qui veulent prier, même à la fin, on se retrouvera devant pour prier. Il y aura un pasteur qui va venir avec vous pour intercéder. Est-ce que, à la fin de ce message, c'est un petit peu plus clair ? C'est un qui ? On va se lever ensemble. Qui ? Qui ? Donne de la saveur à ta vie, l'Éternel est ton prochain. Et alors qu'on se quitte, je voudrais qu'on puisse dire ce qui me donne de la force, c'est la joie de plaire à Dieu. Juste, comprends ça. Il y a celui qui a écrit cela, il a dit « La joie du Seigneur est ma force ». Si quelqu'un est fatigué en cet instant et se dit « est-ce que je suis prête ou prêt pour la mission ?» On n'est jamais prêt. Mais si tu réalises que tu fais la joie de Dieu, alors ça te donne une force incroyable et tu es invincible. Alors on va célébrer ensemble « La joie du Seigneur est ma force ». Vas-y Gaspard. Sourire à mon réveil et ça fait quand je dors, il est mon tout.
Laisse-moi, je veux ta joie, joie, joie. Esprit de vie, de liberté, remplis-moi jusqu'à déborder. Que ta rivière jaillisse en moi, je veux ta joie, joie, joie. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur. Cette vidéo t'a parlé ? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin. Devenir partenaire, c'est facile. Tout d'abord, allez sur le site jeveuxêtrepartenaire.fr. Saisissez le montant que vous souhaitez donner. Ensuite, inscrivez vos coordonnées. Puis, validez mon abonnement. Ajoutez vos coordonnées bancaires et cliquez sur s'abonner. Merci. Donnons aujourd'hui pour construire ensemble l'Église connectée de demain.